Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. J'ai la patate, je viens de me réveiller. En plus, je suis fracasse. Bref, je voulais vous faire les commentaires hier, mais bon, vous en avez rien à foutre. Mais bon, hier j'étais trop éclaté, j'ai fumé Call of. J'étais mort. Donc j'ai un peu de retard aussi sur mon prestige. Bah attendez, on va déjà parler. On va parler du gameplay. Le gameplay. Nucléaire. Nuketown, je crois que c'était sur Nuketown. Donc vous allez voir Nuketown, je peux pas rusher énormément, hein, c'est une petite map, donc c'est toujours le même déplacement, c'est un cercle que je fais régulièrement et qui marche très bien. Donc voilà quoi, c'est... Vous allez pas voir du gros rush, c'est Nuketown, je crois. Ouais. Ouais, il y aura un peu de camp, bref tout ça, mais c'est une nucléaire sans... Comment que ça s'appelle? Sans réapparition, parce que c'était patché, donc voilà, ça vous changera d'habitude. Donc voilà, bref. Donc voilà. Pour ma vidéo passage prestige 3, j'ai un peu de retard honnêtement, parce que j'ai passé mon prestige, enfin j'ai passé mon prestige 1, c'était samedi, du coup j'ai mis 2 jours pour le passer. Quand j'ai passé mon prestige 2, c'était le mercredi, donc j'ai mis 3 jours pour le passer, mais bon, il y a eu les cours, enfin mon stage. Et là normalement je devrais passer mon prestige 3 ce week-end, mais les choses ont voulu que, parce que vendredi, au lieu de jouer toute la nuit, oh putain, attendez, parce que là c'est bon, là, on peut faire soleil, en ta gueule, voilà. Au lieu de passer mon prestige, au lieu de jouer toute la nuit vendredi après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai été faire un tournoi G4G. Donc j'ai fait le 2v2 là de 20h15 en SND. Donc on a commencé à 20h. On a fumé tout le monde, tout le monde. On arrive en demi-finale. Il était 2h du matin. Moi je me suis levé à 6h toute la semaine, en demi-finale on était à 6. J'étais mort, mais éclaté. J'étais trop fatigué. Eh, on a dû attendre 2h. 2h pour la demi-finale, on avait fini, nous on avait tout fini. À 11h du soir, minuit, on avait fini tous nos matchs. Il fallait qu'on attende que nos adversaires y finissent. Ils ont mis un temps, mais incroyable. Le temps qu'ils ont mis pour arriver. Parce que nous, il y a des gars, ils ont préféré déclarer forfait direct. Il y en a, ils ont joué une, ils ont dit, bon, de toute façon, gagné hein, toutes les games. On n'a pas eu, une seule défaite. Ils nous disaient, mon pote, il a un bug de colo, du coup, est-ce que je peux prendre un PU? Nous, on lui a dit, vas-y, prends un PU si tu veux. Après, on lui a dit non, parce que c'était interdit, les PU. Bref, tout ça. Sinon, ouais, voilà, c'est pour ça, vendredi, j'ai pas joué. Samedi, j'ai joué. Je l'ai fumé sa mère. Sauf que... Là je baille. Sauf que j'étais tout seul à jouer. Donc ça a bien pué la merde. Du coup j'ai fait une partie, j'ai fait un gros score. J'avais fait du 78-7. Moi j'ai dû faire une partie à 78-7 sur Nuketown. Du coup il y a des gars, ils m'ont invité, c'était un groupe de 3. Bon ils savaient pas jouer, ils étaient en face de moi, je les ai fracassés. Hein. Ils m'ont dit ouais mais je joue pour le score, puis du coup bah, je les ai pris dans mon équipe, puis on a joué, j'ai joué avec eux. De toute façon j'avais pas vraiment le choix, j'avais personne d'autre. Donc voilà. Du coup je suis que prestige de niveau 50. Mais bon je suis toujours... Je sais pas, je pense que vous allez entendre quand je clique partout. Attendez, je vais lancer le téléphone là-haut parce que... Hop, voilà. En carrière, je suis toujours... Ouais, 7500 mondial, laisse tomber, bon de toute façon... Il y a plus de 1000 lobbies, je veux dire. Enfin, avec tous les lobbies, il y en a plus de 1000. C'est incroyable. Ah ouais, ils sont déterminés. Ah ouais, ils sont prestige 9. Ah les fils de pute. Encore un prestige et ils sont master. Enfin, non, c'est pas master ça déjà. Bah, si, c'est prestige master ça. Je regarde les classements mondiaux, mais je crois qu'ils ont déjà fini le jeu. Ouais, y a code QG mes couilles là, je sais pas où ils sont. Dans les codes QG là, ils sont 56e mondial, son prestige. Je sais plus si c'est 8 ou 9 sa mère, on m'en rappelle plus. Ouais bref, hier j'ai lancé une partie en domination Nuketown, je vois quoi, je vois des prestige 5, des prestige 6. Ouais Bobby, bah, j'ai quitté direct, hein, je joue pas comme ça. Mais... Du coup voilà. Ah ouais lui bah il est... Est-ce qu'il est sérieux lui? Il vient de passer son prestige 2. Il a 3 millions de secondes. Et s'il a branlé. Ah 2,90 d'SP, il joue quand même regardé. Bref. Du coup voilà, pour le nucléaire, je crois qu'elle avait été jouée à la. Au début à la Kuda.
après à la Razor... non, pas la Razor Back, je vais dire la Razor Back, mais j'étais fini la Razor Back. Jouer à la... Comment qu'elle s'appelait? Je ne me rappelle plus. La KN44, je pense, je suis pas sûr, j'ai pas le gameplay, mais je pense que j'ai commencé à la Kuda comme d'habitude. Et j'ai sûrement fini à la KN. Aussi, je viens de remarquer, je savais même pas, c'est mon pote qui me l'a dit. Je croyais que le camouflage c'était royauté en fait, parce que j'avais pas regardé marqué diamant en dessous. Et quand j'avais été dessus, j'avais juste regardé le petit carré où c'est que c'était marqué bah, sur le truc de camouflage. C'est qui marche hein. Hop, j'ai mis deux secondes, voilà. J'avais juste regardé le truc et ça me faisait penser à royauté, mais en fait c'est diamant. Et à ce qu'il tue sa mère le diamant. Et moi, sans faire exprès, tu vois, je joue comme ça. J'ai déjà 4 armes en or. Je peux avoir 4 armes en or. Il manque juste les défis. C'est quoi les défis? Attends, je vais vous les dire. Parce que moi je les fais pas, moi je m'en bats les couilles, moi je prends une arme, je joue. Faire 50 illuminations avec l'arme dotée de 5 accessoires. Faites 50 illuminations sans aucun accessoire équipé. C'est juste ça qu'il y a à faire. Donc ça, si je veux le faire en une heure, c'est fait quoi. Du coup là je pense que je vais essayer de les faire en diamant. Il me manque en assaut, il me manque attendez, 1, 2, c'est laquelle d'autre que j'ai dit en assaut? Fusil assaut, il me manque manoir, ICR, Cheva et nuit. Donc franchement des armes comme ça montées en or, c'est pas un problème hein. Moi je les fais direct hein. ces armes là sont grave cheatées, je les aime bien. Voilà, c'est tout. Sinon bah, je pense que je vais vous laisser là pour la vidéo nucléaire. Je vais juste vous mettre un peu le gameplay hein. J'ai pas de grand chose à vous dire, à part que la prochaine vidéo ce sera soit, vu qu'il n'y a pas de jour férié, c'est ma dernière semaine de stage, donc il y a ma prochaine vidéo, je pense que ce sera le passage prestige, je suis même sûr, parce que peut-être que je le passe aujourd'hui, je sais pas si j'aurai le temps. Il faut savoir aussi que après mon stage, j'ai une semaine de vacances. Donc pendant les semaines de vacances, je vais geeker, je vais peut-être passer deux, trois prestiges, je pense. Donc voilà quoi, je pense que je serai 5 ou 6, moi je verrai bien. Du coup, voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que si c'est pas fini, je vous laisse la fin avec de la musique. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.